Morgan, allez, Iden, le sus aujourd'hui, la lune Ishmat, avant Mchainor, Bebon Fortuna, Mazal Dov, Ben Yehudit, Micha, Machlouf, Ben Masouda, Nachman Yosef, Ben Nachum, Yaakov, Nissim, Ben Chana, si vous souhaitez aussi d'aider nos prochaines études de 2 Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions dans Sechet Meila, Père Gimel, Mishnah Bet, Hamafrish Motlin, Ziyuto, Lonehenin, Velo Moalin, Mipene, Shehen, Ruin, Lavo, Kulan, Shlamim. Met, Ayustumim, Iplulin, Dava, Ayume, Forashim, Dmei, Chata, Tiele, Chule, Yama, Melach, Lonehenin, Velo Moalin, Ben. דמי עולה יביאו עולה, ודמי שלמים יביאו שלמים, ונאכלים ליום אחד, ואינן טעונים לכם. Avant de commencer cette Mishnah, deux trois petites introductions. Tout d'abord, un rappel. Pour la plupart des korbanot, on transgresse l'interdit de Mela depuis le moment où on sanctifie l'animal. Il y a une exception. Plus qu'une exception, en fait. C'est une famille exclue, qui est la famille des Kodashim Kalim, surtout les Shlamim. On va parler des Shlamim. On ne parle que de ça, donc pourquoi parler d'autre chose? Les Shlamim, ils ont la singularité que, par définition, il y a de la viande qui va me revenir à moi. Je vais donner un petit peu à manger au Kohanim, mais c'est une doucha très faible, autant que moi, quoi. Et il s'avère qu'en fait, le Korban Shlamim, en fait, eh ben, il reste ma propriété. Il y a marqué dans la Gemara plein de fois, Kodashim Kalim, Mamon Be'alim, c'est l'argent du propriétaire. Ça n'a pas. C'est, certes, j'ai sanctifié, il y a une certaine gdoucha qui s'est appliquée sur l'animal, mais pour le moment, l'animal, il reste malgré tout ma propriété. Il est entre le kadosh et le chol. Quelque part, c'est une manière, c'est un peu explicite dans les psukim de Ekev et de Ré, c'est une manière, quelque part, que quand tu manges de la viande, donne aussi une part à Hachem. Ouais. En fait, le korban, il reste le mien, avec une petite part que je donne à Hachem. De ce fait, lorsque je sanctifie un korban shlamim, alors cette situation d'être kadosh, mais pas assez fortement, fait qu'il y a un interdit, certes, de tirer profit, mais si je tire profit de l'animal, je ne transgresse pas encore l'interdit de Meïla, de faire un sacrilège. Parce que ça reste la viande que je dois aller manger. Imaginez, en fait, si je peux rester encore dans le machal, dans la parabole, que j'utilise toujours, la nourriture que je vais apporter au roi, ben là, quelque part, c'est, je vais apporter ma viande chez le roi, mon repas chez le roi, pour manger en présence du roi, et je vais lui donner un petit bout de ma viande. C'est un peu le principe du korban shlamim. En donnant aussi au Kohanim, mais ça reste donc finalement la propriété du Israël. Maintenant, de ce fait, on transgresse l'interdit de Meïla dans les Shlamim, uniquement lorsqu'on va faire la Shrita, on va asperger le sang comme il faut, et qu'on va récupérer les graisses, puisque c'est la part qu'on doit donner au roi en les faisant monter sur le Mizbeach, alors là on transgresse ça, avec ces graisses-là, un interdit de Meïla. Fin de la première introduction. Donc retenez, Shlamim, il n'y a pas de Meïla. Deuxième introduction, c'est le nazir. Le nazir, lorsqu'il finit son rituel, un nazir, c'est quelqu'un qui prend sur soi de pendant 30 jours, de ne pas boire de vin, de ne pas s'impurifier pour les morts, de ne pas se couper les cheveux. À la fin des 30 jours, il doit apporter un rituel, trois korbanot. Khatat, Ola, Shlamim. Et au Beit HaMikdash, si ça vous intéresse, sachez qu'il va falloir, en plus de ça, apporter des pains. Et avec ça aussi, on va lui couper les cheveux. On va faire brûler la viande d'une certaine manière, en faisant brûler aussi les cheveux à l'intérieur, et ouais, tout un rituel. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'on va parler, on va découvrir cette fois-ci une doucha très originale, qui nous concernera beaucoup lorsqu'on étudiera Masechet Kinim. C'est le même principe, la même idée qui se retrouve. C'est qu'en théorie, si je décide de... Donc j'ai trois... Imaginez, je suis un nazir qui a fini sa période de Nézirut, et puis maintenant, je vais apporter mes korbanot. Donc j'ai trois korbanot à apporter. Je pourrais prendre un korban khatat, un korban ola, un korban shlamim, et puis c'est tout. Ou même prendre de l'argent et dire, bon, 100 shekels pour la ola, 100 shekels pour le khatat et 100 shekels pour le shlamim. Je pourrais. Mais il y a aussi un autre moyen de procéder, c'est de dire que je vais prendre 300 shekels pour les korbanot du nazir, sans définir quel biais reviendra à quoi. Et même plus que ça, on va découvrir ensuite, quand on va évoquer au nom de Tosfot, même plus que ça, je peux décider finalement de prendre les 300 et d'acheter soit un Ola, soit un Khatat, soit un Shlamim, et de rajouter de l'argent encore sur ça pour compléter. C'est-à-dire que je me retrouve en fait en faisant une gdoucha très originale, que je vais sanctifier l'argent, mais de manière très indéfinie, où l'avenir nous dira qu'est-ce que j'en ferai finalement parmi les trois options que j'ai devant moi. Est-ce que je vais concrétiser les trois options, deux, une, et décider de rajouter de l'argent et laquelle. Et ça va donner un statut à cet argent très très original. Que... Je vous le dis tout de suite, allez, comme ça, on trace la Mishnah, que puisque je peux en théorie apporter, je vous explique la Mishnah comme tout autre, puisque je peux en théorie apporter à
avec ces 300 shekels, finalement apporter que des shlamim. Donc il s'avère que j'ai de l'argent dans les mains, qu'il n'y a peut-être pas sur lui d'interdit de Meïla. Il y aura interdit d'en tirer profit, parce que je vous ai dit, interdit de Meïla, tout soit il prouve ça de quelques endroits, qu'il y a un interdit, mais de l'oraïta de tirer profit. Mais pas l'interdit de Meïla, c'est-à-dire que si finalement j'ai tiré profit, je ne devrais pas porter le corban Meïla et rembourser la valeur et tout ça. Je veux juste prendre que ça un interdit d'avoir négligé la gdoucha, mais pas d'avoir fait un sacrilège. Donc en fait, je reprends. J'ai cet argent qui est ce qu'on appelle satoum. Comment dire, satoum qui est fermé, on ne sait pas exactement. Qu'est-ce que c'est? C'est pas explicite, au contraire d'explicite, je ne l'ai pas en tête, c'est pas grave. Satoum. C'est pas, on ne sait pas encore qu'est-ce que je vais faire avec cet argent. Est-ce que ça va être ça? Est-ce que ça va être ratat? Voilà, chamil. Et bien ça, ça fait une gdoucha particulière qui a un interdit d'en tirer profit, mais qu'il n'y aura pas d'interdit de Meïla, puisqu'il y a une éventualité que tout sera shlamim. Selon Rashi, je vous expliquerai la Mishnah après. Pour le moment, je commence à avancer la Mishnah. Amafrishmot, l'Enziruto, celui qui a désigné, prélevé de l'argent pour apporter ses korbanotes de Nazir, donc qui implique trois korbanotes. Eh bien, pour ça, pour le moment, dans cet argent, l'onéenin velomalin, ni on a le droit d'en tirer profit, d'après tout ça que je vous ai dit, midoraita. Velomalin, mais malgré tout, il n'y aura pas d'interdit de Meïla, spécialement le grand sacrilège, le grand et grave sacrilège, qui va m'imposer un vantin korban, il n'y aura pas. Pourquoi? Car tout cet argent, finalement, peut devenir shlamim. Telle est l'expression de la Mishnah selon Tosot. Une petite parenthèse, parce qu'il faut être fidèle au Bar Tanoura qui suit la vie de Rashi, qui explique pas comme ça la Mishnah, qu'on parle que j'ai utilisé un seul billet. Comme ça, le Tosot, on peut l'expliquer. J'ai utilisé un seul billet. Et il s'avère que le billet que j'ai utilisé, je pouvais décider d'en faire un khatat, un hola ou un shlamim. Si c'est khatat ou hola, il y aura un interdit de Meïla. Mais si c'est shlamim, il n'y aura plus d'interdit de Meïla. Puisque pour le moment, la gdoucha était indéfinie, c'est-à-dire, d'après cet avis-là, je suis obligé, avec cet argent-là, avec ces 300 shekels, lâcher les trois corbanotes. Mais, pour le moment, chaque billet que je tire au profit, il est indéfini. Donc, déduisez de là que si je vais utiliser tout l'argent, ou même, je pense, 200 shekels, ça reviendra au même, et bien dans ce cas-là, je transgresserai l'interdit de Meïla. Parce que là, c'est sûr, j'ai utilisé à la fois le shlamim et quelque chose d'autre. Ou peut-être pire, ouais, je sais pas combien. Si j'utilise les 300, c'est sûr et certain que là, j'ai transgressé 200 shekels d'interdit et 100 shekels d'interdit. Mais dans notre mission, on parle que j'ai utilisé qu'un seul billet. Et puisque c'est indéfini, donc c'est comme ça, il faut traduire autrement la Mishnah Mipnei Shenroin l'invoque la Shlamim, parce qu'ils sont aptes à chacun, finalement, être concrétisés en tant que Shlamim. Ok. Suite de la Mishnah. Met, le pauvre Nazir n'a pas eu le temps de faire son rituel, qu'il est mort. Donc maintenant, il a laissé à ses héritiers cet argent-là, qu'on ne sait pas, c'était encore indéfini. Ça pouvait être tout Shlamim, ça pouvait être un peu chacun. Chaque billet, on ne sait pas qu'est-ce qu'il aurait pu être aussi. Et bien la Mishnah me dit, Iplou l'innava. Quelque chose de très original. La Torah, la Mishnah me dit, ben, tu sais quoi, les 300 shekels, tu vas en faire des nedavot. Les nedava, c'est les nidvat tzibur. Vous vous rappelez l'histoire avec les korbanot ola publics qu'on utilise que quand il y a quand le Mizbeach, il n'y a pas de korbanot, il n'y a pas eu beaucoup de visiteurs aujourd'hui, quoi qu'il revienne au Beth Amikdash, des korban ola qu'on faisait monter, qu'on égorgeait, histoire d'occuper toujours le Mizbeach, il fallait toujours qu'il y ait de la viande qui grille dessus. D'accord? Maintenant, c'est un très grand ridou, je veux dire que c'est Nedava. Pourquoi? Parce que je vous dis qu'il y a trois éventuels korban dans cette Mishnah, dans ces 300 shekels. Concrètement, tant qu'il n'a pas voulu faire autre chose, il y a 100 shekels prévus pour le khatat, 100 shekels pour la ola, 100 shekels pour les shlamim. Si il avait désigné explicitement chaque korban, il y aurait eu des halachot bien définis, comme la Mishnah même le dire d'ailleurs. Le khatat, il n'y a plus rien à faire, parce que khatat shemetu be'aléa, vous rappelez, la Mishnah précédente, on l'a déjà évoqué. Korban khatat, si le propriétaire est mort, il n'y a plus rien à faire. Il y a moutou, machnissan l'équipa, comme on apprenait. Ola, on pourra l'apporter en korban ola. Shlamim, l'héritier pourra apporter un korban shlamim. Et là, la Mishnah, et il s'avère qu'il n'y a aucun korban public. Il y a plutôt un qui se fait griller, et l'autre qui seront offerts, un en Ola et un en Shlamim. Eh bien, quand ça a été indéfini, la Mishnah me dit, ben non, il y a une halakha de Moshe Messinaï, c'est une transmission depuis Moshe Rabbeinu, qui nous a dit que non, l'argent indéfini des korbanot, eh bien, il a un statut spécial qui devra être apporté en guise de Nidvat Tzibur, les 300 shekels en même temps. D'accord? Il y a de quoi rallonger, si vous avez une Mishnah ici, vous voyez, tout ce qui a beaucoup rallongé, parce qu'il y a des petits problèmes,
comme ce qu'on explique auparavant avec Rachid Tosot, mais je vous ai dit assez d'éléments qui pour répondre à tous les problèmes. Si vous voulez soulever, ben écoutez le cours, vous verrez qu'il y a des réponses. Et je continue pour le moment. Donc ça, c'était Iplul Indava. Ok? Si c'était Satoum, Satoum, c'est-à-dire que c'était indéfini. Eh bien, Iplul Indava, donc tu devras apporter des niveaux de Tibour avec chacun. Par contre, Hayoum et Forashim, si c'était explicite, c'est-à-dire si tu as dit c'est 100 shekels, là, le billet plié en 4 pour acheter un korban khatat. Et le billet qui est là, plié en 2 pour acheter le truc. Et l'autre billet pour acheter le shlamim. Et l'autre billet pour acheter le holad, quoi. Et bien dans ce cas-là, de mes khatat, yelechou le yamamelach. L'argent du khatat, tu vas les apporter au yamamelach. Cette fois-ci, on ne va pas laisser l'argent mourir de faim. Ça ne marchera pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On détruit. Il faut détruire le billet. Pour détruire le billet, toujours dans la mission, on utilise l'expression qu'il faut les apporter à yamamelach, à la mer morte. Parce que là-bas, quand on va le jeter dedans, personne ne va faire de la plongée pour aller le récupérer. Est-ce qu'on peut le brûler à la place? J'imagine que oui. Et bien évidemment, je ne sais pas pourquoi on utilise toujours le terme Yelchuli Yamamelach. Il me semble qu'une fois on avait étudié ensemble, qu'on avait une réponse, mais ça m'échappe pour le moment. L'onéhénin velomalin, en tout cas, il n'y aura pas d'interdit de Meïla, il n'y aura pas d'interdit, mais malgré tout, ce sera interdit d'en tirer profit. Pour quelle raison il n'y a pas d'interdit de Meïla? Vous connaissez la réponse. C'est plus de l'argent qui est en direction pour le Misbéar. C'est l'argent qui doit être détruit. Si l'argent doit être détruit, eh bien, il n'y a pas d'interdit de Meïla. Par contre, Dme Ola. Avec l'argent de la Ola, il y a Viola, il faudra apporter un Corban Ola. Dme Shlamim, l'argent du Shlamim, aussi il y a Viola Shlamim, parce que l'héritier pourra apporter un Corban Shlamim. Mais attention, un Corban Shlamim très particulier. Vene Echalim le Yom Echad. Ça aurait dû être Vene Echal le Yom Echad. Je ne sais pas pourquoi c'est dit au pluriel, parce qu'on ne parle que du Shlamim. Le Corban Ola, il n'est pas question de le manger. Vene Echal le Yom Echad. Est-ce que quelqu'un corrige cette faute? Personne ne corrige, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. En tout cas, Vene Echalin le Yom Echad, ce Korban Shlamim, il sera consommé en un seul jour, c'est-à-dire, un Korban Shlamim, normalement, il est consommé en 2 jours et la nuit au milieu. Pour la plupart des Shlamim, sauf le Korban Toda, en 1 jour et une nuit. Et un autre aussi, qui fait exception à la règle, c'est le Korban Shlamim du Nazir. Le Korban Shlamim du Nazir, lui, il est consommé en 1 jour et une nuit. Puisque cet argent que tu as désigné en guise de Korban Shlamim, que le défunt, désigné en guise de Korban Shlamim, c'était un argent qui aurait dû être acheté un Korban Shlamim qui va être consommé en 1 jour et une nuit, eh bien, l'héritier aussi, il apporte un Korban Shlamim, mais qu'il consommera en 1 jour et une nuit. Ve'enan te'unin lechem, attention à l'achat particulière, il ne devra pas apporter les pains. Vous vous rappelez, je vous avais dit que le nazir, lorsqu'il fait son rituel, il doit aussi apporter des pains, aussi un rituel pour balancer le pain, et bien, pour le, il doit apporter, je crois, 30 pains, ou 20, j'ai un doute, je ne sais plus. Il doit, en tout cas, il doit apporter des pains. Et le nazir, puisque là, il est décédé, il est mort, le fils n'apportera pas ces pains-là. Parce que là, la Torah, elle a insisté en me disant, Venatan al-Kapeya Nazir. Il devra apporter dans les mains du nazir. La Torah a insisté que c'est que le nazir qui fait ce rituel. L'héritier ne pourra pas faire le rituel. Donc, il n'apportera pas le pain, mais il apportera quand même le korban shlamim. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov. Salam.